Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur Bob l'éponge de Cosmic Shake, on est sur Xbox, alors on est installé sur une Series X, mais c'est un jeu Xbox One, PS4 et Switch, et PC d'ailleurs. On n'est pas sur une vidéo découverte, le jeu il est sorti le 31, on est sur une vidéo de gameplay, tout simplement parce que je l'ai acheté le 31 pile, parce que je savais pas trop si j'allais le prendre ou pas, et que j'ai chopé la mort en fait ce jour-là. J'étais pas bien du tout. Là ça va mieux, mais bon, je vous donnerai pas de détails, mais j'étais dans le mal, hein, une célèbre maladie qui arrive tous les hivers et que tout le monde chope au moins une fois par an. Voilà, donc je vous en dirai pas plus. Donc j'ai joué au jeu déjà, donc on va pas se faire une découverte, j'ai fait le premier niveau déjà, qui est un niveau type western. Ah bah d'ailleurs on est dedans. Ah oui, ça c'est parce que c'est Ewen qui a rejoué derrière et qui est parti dans le niveau parce qu'il voulait essayer le jeu. Donc je l'ai fait essayer. Il est reparti dans le niveau. Voilà, donc. Alors, je vais pas vous parler. Je vais pas vous parler du scénario. Hein, parce que oui, il y a un scénario. Je vais le garder entre guillemets secret. Hein. Mais vous comprendrez en jouant au jeu pourquoi les maisons sont dans cet état, pourquoi Bikini Bottom est dans cet état. Moi je vais pas vous en dire plus là. Faudrait aller là-bas. Est-ce qu'on peut y aller par là? On va y aller par là. Donc on est sur un. On est sur un jeu de plateforme. Hein. Comme le précédent, le Réhydrated là. Qui était un remake, on peut dire, du jeu sorti sur PS2 à l'époque. Bon. Vous voyez tout de suite, techniquement, ça met pas des claques, hein, évidemment. Fallait pas s'attendre à une claque technique. On est sur un jeu Xbox One, PS4 et qui a été aussi développé pour la tourner sur Switch. Donc automatiquement, en termes techniques, c'est pas une méga claque, mais bon. Ça tourne bien. J'ai eu. Quand même, dans une mission, genre sur un hippocampe, fallait poursuivre un train, il y avait des explosions, tout ça, j'ai eu. J'ai eu quelques baisses de framerate quand même, mais dans l'ensemble, ça tourne bien. Et au niveau artistique, c'est plutôt bien foutu puisque ça colle vraiment à ce qu'est le dessin animé. Alors pour l'instant. En termes d'attaque, on va dire, j'ai ça. Après, on a ça. J'ai le double saut avec la pizza pour planer. Je peux, excusez-moi, envoyer des bulles. Voilà, il y a l'esquive et je crois que pour l'instant, c'est tout. Je peux pas faire plus. Donc, on va aller voir le deuxième niveau, normalement. Je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Mes calculs sont pourtant parfaits. On a la On VF. Peut peut-être t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Mais si tu veux te faire pardonner pour tout ce bazar, je suppose que je peux t'autoriser à m'aider. Tiens, utilise ce super améliorateur d'élan véloce que j'ai inventé pour l'occasion. Ah, c'est bien, donc ça veut dire c'est une planche de surf à bulles. Qu'on va récupérer en plus des mouvements, lui ai en donné un plus. nom sophistiqué. Alors c'est à moi que reviennent les honneurs. Ok. Et comment on l'utilise cette planche? On va aller là-haut, ils vont sûrement nous le dire. Ah, ils vont nous le dire là. Alors, on saute dessus. D'accord. Encore de la gelée. Bon. J'étais concentré sur autre chose, du coup, j'ai pas trop capté le bouton, je vous avoue. J'étais concentré sur un autre truc. Et voilà. On a appuyé sur le bouton. Je vais couper le son de mon téléphone. Bon, je vous l'aurais peut-être coupé, mais Je suis jamais venu ici, mais comme le crabe croustillant j'ai oublié. A disparu,
J'imagine que je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il y a un truc comestible ici? Techniquement, oui. Nous, citoyens de Bikini Bottom, devons rester unis en ces temps difficiles. Alors, sachez que le sceau de l'enfer acceptera avec humilité son rôle d'unique pourvoyeur de nourriture. Pauvre fou! Plankton, j'ai toujours su qu'au fond, tu étais un membre actif de la société. Mais oui. Ne t'inquiète pas, Patrick et moi allons tout faire pour tout remettre en ordre afin que personne ne soit plus jamais obligé de manger au sceau de l'enfer. Attends, cette dernière partie était vraiment nécessaire, tu crois? Non. Ah, je pense que le prochain niveau il va être là. Il va falloir qu'on change de costume du coup. Quelle quantité de gelée pure et naturelle. Toute cette puissance à l'état brut. Pour créer ton prochain costume, il va te paraître très familier, mais ne laisse pas les apparences te tromper. Quand tu traverseras le prochain portail. Et voilà. En fait, je vais vous la faire rapidement. Ils ont fait des cons avec une sorte de potion qui fait des bulles, là, magiques. Ils ont foutu vraiment le bordel, et tous nos amis se sont retrouvés envoyés dans d'autres dimensions, on va dire ça comme ça, d'autres dimensions. Et en fait, on va les croiser, sauf qu'ils s'appellent pas forcément pareil, qu'ils nous connaissent pas, et voilà. Et le but, c'est de les ramener dans le monde, dans notre monde à nous. Ce sera beaucoup plus rapide de se déplacer avec ces hippocampes. Ça va aussi secouer beaucoup plus. Ouais, on a le permis pour se déplacer avec, avec l'hippocampe. Hop. Bob et Patrick à la rescousse. C'est bien parce qu'on a vraiment en plus la VF et tout. Ça fait plaisir. C'est pour ça que je vous précise qu'on est sur Series X quand même, parce que le temps de chargement là est assez rapide. Oh, maintenant je sais pourquoi ils appellent ça des limousines extra longues. Elles sont extra. Tu penses que Sandy est passée par là? J'ai jamais eu l'impression qu'elle était le genre d'écureuil à être fan du tapis rouge. Heureusement que j'ai mis une couche supplémentaire de gloss et poudre. Après, c'est de la plateforme pure et dure, hein. Un petit peu de gélatine, et voilà. Oh merde. Je m'attendais vraiment à quelqu'un de plus grand pour ce rôle, mais tout le monde me paraît petit. Désolée, est-ce que je parle trop? C'est mon premier jour et je suis vraiment nerveuse. Le tournage commence dans 1 minute et 58 secondes. Non, 50. Oh, tant pis, 50. Dépêche-toi. Statistiquement parlant, les assistants du réalisateur sont remerciés au bout de 0,87 jours. Je dois faire mieux. Allez, allez, par ici. Il n'est pas du genre patient, ni compréhensif, ni du genre gentil. Allez, on y va. Je vais récupérer le slip que j'ai perdu, c'est des barres de vie, ça. Hop. Waouh, ils prennent des photos de nous. Est-ce qu'on est dans le film? Oh, est-ce que j'ai l'air assez bouffi? Je viens de me faire bouffer. Cette zone est interdite. Les stars deviennent grognons si elles n'ont pas un temps pour elles. Va falloir qu'on trouve un autre chemin, Patrick. D'accord, faut qu'on trouve un autre chemin. Ok. Et alors, on peut plus lui dire autre chose. Je peux avoir un autographe. Seulement si je peux avoir le tien d'abord. D'accord. Ah, attendez. Un petit peu de gélatine. Hop, et voilà. Chaque fois. Non, je me suis pas fait avoir cette fois, c'est bon. Ne vous inquiétez pas les gars, je vais passer. Cette zone est limitée.
Après, ils sont pas net, hein, parce que je passe là à côté d'eux, ils ont rien vu. Hein. Et hop. Boing. Ça, c'est des trucs que vous voyez que j'ai pas encore débloqué. Ça non plus. Donc en fait, après les niveaux, il s'agit de revenir dedans. Avec des compétences que vous débloquez. Monsieur le, qu'est-ce que vous faites encore là? Rendez-vous vite à la sortie ou je vais me faire virer. Le réalisateur vous attend. Hein? Comment t'es arrivé si vite ici? Oui, Patrick, c'est un ballon aussi, mais ça, je vous laisserai découvrir Patrick. Pourquoi si vous voulez jouer au jeu. J'essaie de récupérer un maximum de cette gelée parce que, en vrai, ça va servir à quelque chose visiblement après. Eh ben, ça, c'est de la bonne grosse gelée. Donc, elle est dans cette cage, plus pour aucun risque. Hop. Bah, c'est comment ? Non! Je sais que je perds un petit peu de temps, hein, mais je récupère un peu tout ce qui traîne. Bon, après, si vous avez fait le précédent, le réhydraté, là, on est dans la même veine. Hein. Donc c'est plutôt cool. Après, il est pas très cher en plus. Il est vendu 39 euros en magasin, voilà. Sur console. Et avec mon lien Instant Gaming que vous retrouvez dans la barre en haut de ma chaîne, avec mes réseaux, il y a moyen de l'avoir à 32 euros sur console, je crois, et 26 euros sur PC, il me semble. Bah dis donc. Ça s'arrête un jour ou... J'ai pas l'impression. Bon, on va pas passer notre temps là. Mais bon, voilà, vous avez moyen de l'avoir encore moins cher. Donc je vous laisserai regarder pour ceux que ça intéresse. Après, je suis pas responsable des stocks. Hein. Donc moi, je vous dis, vous pouvez l'avoir sur PC et console à ce prix-là. Ne venez pas me dire si jamais vous allez regarder qu'il n'est pas en stock ou qu'on peut pas l'avoir. Voilà, moi, je suis pas... pas responsable des stocks, hein. Ah ouais, c'est lui là-haut, là. Et on peut les buller comme ça. Et voilà, faut leur mettre deux coups. Là, on a une sorte d'arène. Hein. Maintenant. Voilà, en gros, faut attendre qu'il tape. Les bulles à lui, ça lui fait rien du tout. Hein. Et voilà, finito. Hop, un coup de cul. Sur le truc. Et hop.
dégâts, on peut retourner tranquillement de l'autre côté. Regarde ces caméras. Et celle-ci. Ce type a même un casque sur les oreilles. Je crois que c'est un plateau de tournage, Patrick. Ouais, ce qui explique pourquoi le type il a un casque sur les oreilles et qu'il y a des caméras partout. C'est très démodé de se faire. Tiens, vous voyez, c'est Carl. Mets-toi vite en place. C'est Carlo le réalisateur. C'est un visionnaire. Oui, c'est Carlo d'ailleurs, j'ai dit Carl, mais c'est Carlo. Et hop. Allez, on va aller le voir tranquillement. On va peut-être pas faire tout le niveau hein, en vidéo. Ce comédien médiocre, que c'est de l'agence morfilée, je leur ai promis de l'art et c'est comme ça qu'il me remercie. J'ai demandé un héros, pas une petite guimauve jaune. Tu arrêterais ici en passant trop de temps dans un jacuzzi? Ah. Il est mauvais, lui. Monsieur le réalisateur, je suis Bob l'éponge. Le tournage commence dans 9, 8, 7, très bientôt. Ces abrutis d'oursins du casting ne peuvent donc pas comprendre que je leur permets de faire partie de ce qui va à coup sûr être le plus grand événement cinématographique des océans. Mais ne perds pas espoir. Moi, j'ai encore le talent pour faire de toi un magnifique outil de destruction. Oh, super! Dans cette scène, allez, tu dois te frayer un chemin dans les rues de la ville infestée par des gangsters. Et ne sors pas du champ. Ah, donc en plus là on va avoir une phase un peu beat'em all. Des années 80, 90 surtout. Mais sauf qu'en plus vous voyez la caméra avance, il y a un scrolling automatique. Et donc j'ai intérêt d'avancer parce qu'il a bien dit ne sort pas du champ. Donc on va avancer. Tu veux bien achever ces trucs en gelé? Technique parfaite. Hop. Avec Patrick Ballon comme d'hab. Ah, la caméra elle a avancé un petit peu là. Je peux avancer par là? Ah oui, je suis là. Je vous avoue, je l'ai fait à l'aveugle là. Bon, finalement, la caméra elle avance un peu plus vite que prévu. Oui, alors eux, c'est pareil. Voilà, ils font ça après. Ils sont pas très très compliqués non plus. Hein. Et là. Ah voilà, pendant qu'il est fatigué. Encore de la gelée. Vite que ça. Bon sang, ce réalisateur a l'air plus stressé que votre Carlo. Allez, on avance. Un petit peu plus rapide, encore là. On va essayer de pas trop perdre de temps. Oh bordel. Oh bordel. Hop voilà. Vous voyez, il y a quand même des scènes assez assez sympas. Là, on se retrouve sur un gameplay un peu genre 2D. Merde! Ça va déjà beaucoup mieux. Il en a mis un deuxième et... Je me suis fait avoir là pour le coup. Hop, finito. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je ne peux pas.
C'est une magie indestructible grâce à la gelée que tu récupères pour ma... notre cause. Ouais, elle, je sens Madame que... Madame Cassandra, vous êtes sûre que c'est ici qu'on va trouver Sandy? Le portail vous a amené exactement là où vous devez être. Ne résiste pas à l'univers de la gelée. Elle, je sens qu'elle va se foutre de notre gueule un peu. La conserve-la et ramène-la moi. En plus, la gelée m'a murmuré que tu as un peu d'expérience dans le commerce. Ton derrière carré n'a pas envie de se retrouver à nouveau sous le feu des projecteurs? Vous avez raison. Si ça veut dire sauver Sandy et le monde, alors je dois mettre tout mon cœur carré dans mon jeu d'acteur. Merci, Madame Cassandra. Se fout de nous, elle. On a tellement de chance d'avoir Madame Cassandra pour nous aider. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est actrice? Ça colle. Moi, je suis pas sûr qu'elle nous aide réellement. Elle cède un peu elle-même, surtout, là. Mais bon. On va retourner voir le réalisateur, on va passer par là, tiens. On va prendre un chemin alternatif. Puisqu'il y a moyen de prendre des chemins un peu alternatifs, on va le faire. Voilà, on peut pas. On va monter là. Hop, ça je peux pas l'utiliser encore pour l'instant. Oh merde. Si j'avais voulu voir un trouillard courir partout, je serais en train de réaliser le trouillard en fuite 2, comme mon agent me l'avait suggéré. C'est un film de karaté. Mais il va falloir que je fasse avec ce que j'ai, on dirait. Commençons par quelque chose de simple. Un coup de pied. Ok. Balance-lui un coup de pied. D'accord, donc car c'est ça. C'est comment incarner un grand héros du karaté, je t'ai préparé un petit défi. Sur les toits de la ville. Maintenant, ouvre cette porte d'un coup de pied et fonce. C'est bien ça, maintenant on va pouvoir... Vous voyez, c'est bien parce qu'en plus c'est évolutif, on prend des... On prend des compétences au fil du jeu. C'est assez, assez cool, hein. Il faut leur casser la gueule à coups de pied. Hop, on va le faire, hein. Alors là... Hop. Voilà. On l'a eu. Merde. J'ai trop attendu. Bah. Voilà, j'ai réussi, bon. C'est moi qui a merdé, hein, clairement, c'est pas de la faute du jeu. Il y a juste un moment où j'ai appuyé, ça n'a pas marché, mais après c'est moi qui ai merdé. Ces petits ont l'air rapides et affamés. Oui, on a ça en commun. Sauf le côté rapide. Je pense qu'on va avoir besoin de cette partie pour passer à côté d'elle.
Oh non, pas encore eux. Vire-les, on a toi, grand coup de pied dans le derrière, ok? Ah, fallait faire ça d'abord, d'accord. Vite. Aïe. Je vais encore me faire avoir. Et voilà, je me suis fait avoir. Putain, mais quel con. J'avais pas vu que c'était un qui explosait. Allez, on va aller voir l'assistante. Hé, hey, le petit jaune spongieux. Il y a des tas de paparazzi cachés sur ce plateau qui veulent entacher la réputation du réalisateur en capturant le côté louche de sa méthode de travail. Qui n'existe pas, évidemment. Ouais. Ce serait bien si vous pouviez les distraire en leur en mettant plein la vue. Je vais me rendre encore plus photogénique. Oh la gueule. Pas grimper par là. Du coup, on va aller par là. Un petit peu de gélatine et voilà. D'accord, donc là en gros. Il y a comme des sortes de mini-jeux un peu. Un petit peu de gélatine et voilà. On va aller voir l'autre en face là. Il me fait juste tellement rire moi quand il fait ça, Bob là avec ses bras là. Bon après il va falloir faire ça 5 fois. C'est pas... Bravo monsieur l'éponge, l'agent de sécurité va vous laisser passer maintenant. Hop, et ben on y va. Quelqu'un a dû s'occuper des paparazzi. Tu peux passer maintenant. Bah ouais, c'est moi, mon pote. C'est ça! Un vrai Karate King doit avoir le véritable réflexe de chat. Je sens que je vais avoir un éclair de génie. Ah, que j'ai trouvé le buffet. C'est un bénévole dans la boîte. T'aidera à affûter tes réflexes. Lorsque l'un d'eux fera semblant de s'échapper, frappe-le. Ça va pas les blesser? C'est légalement impossible. Leur contrat stipule clairement qu'ils ne peuvent pas être blessés. Oui, ouais. C'est logique. Mais attendez, Patrick n'a pas signé de contrat. Oh, très bien. Ne le frappe pas quand il apparaît, c'est tout. Ça te permettra de tester ta... concentration. Alors maintenant, vas-y, on perd du temps précieux sous les projecteurs. En fait, j'ai envie de continuer, parce que ça, ça peut être marrant à faire en vidéo aussi. Mais non. On va s'arrêter là-dessus, on va pas aller plus loin. La vidéo est déjà suffisamment longue comme ça. Donc je vais couper 2-3 petits passages, je pense. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Ça va être, je pense que la prochaine, ce sera Hogwarts Legacy. On fera une vidéo découverte avant la sortie du jeu. Et comme je sais qu'une vidéo découverte, à mon avis, au début, ça va être un peu long. Normalement, il y a une création de personnages, ça va peut-être être un peu long, parce que il va forcément y avoir une mise en place, plein de cinématiques, de choses comme ça, j'imagine. On fera une deuxième vidéo quelques jours après, donc peut-être à la sortie officielle du jeu.
où on fera peut-être une mission, ou je sais pas, une vidéo un peu plus avancée dans le jeu, ça c'est sûr. Mais en tout cas, on se fera une vidéo découverte 2-3 jours avant la sortie. Et ensuite, on fera une autre vidéo let's play, enfin let's play gameplay comme celle-là, un peu avancée dans le jeu. Donc je vous remercie, je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous.